Axée sur l'importance de conserver et de protéger la faune, ces séances de sensibilisation adaptées à l'âge des enfants ont aidé les élèves à s'imprégner des principes fondamentaux de la conservation de la biodiversité. Les apprenants ont en effet été encouragés à devenir des ambassadeurs de l'environnement en transmettant les connaissances acquises lors de ces séances de sensibilisation à leurs familles et communes respectives. En effet, la conservation de la flore et de la faune assure non seulement la survie des espèces, mais maintient également l'équilibre délicat de l'écosystème, apportant de nombreux avantages tant à l'homme qu'à l'environnement. C'est pourquoi, tout au long de l'année 2023-2024, plusieurs sujets ont été abordés lors de ces sessions d'échange, notamment la connaissance des écosystèmes locaux, les espèces menacées et les actions spécifiques que les populations devraient poser pour protéger l'environnement. Outre la sensibilisation des écoliers à la protection des écosystèmes, les équipes de conservation justice ont également conscientisé les communautés locales par rapport à l'importance de la conservation de la faune grâce à des petits ateliers qui ont permis de rappeler aux populations les conséquences néfastes du braconnage tout en les encourageant à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, l'ONG Conservation Justice fournit également une assistance juridique pour informer les populations locales quant aux aspects juridiques des conflits entre l'homme et la faune et les recours possibles, ainsi que pour réaliser des rapports sur la destruction des plantations.